Au revoir. Ok. Lui, il a appelé, il ne sait même pas avoir mis un devoir. On va l'essayer aussi. Allô? Oui, allô? Excusez-moi. Ouais, Vous avez bonsoir, appelé. madame Sissoko, comment allez-vous? Ça va, alhamdoulilah, vous avez appelé plusieurs fois. Vraiment. Excusez-moi. Oui, tout à fait. Oui, bon, voilà, je voudrais juste intervenir par rapport au sujet du jour. Voilà. Moi, je n'irai pas long, c'est que seulement je dois attirer l'attention de. Allô? Allô? Les Français, Oui, pardon, je vous rappelle. vous savez, la Guinée a été toujours le théâtre du chaos, le terrain du crime, et ça depuis que la Guinée est faite. Innocente. Et aujourd'hui, voilà, on a essayé, avec la complicité passive de la plupart des élites guinéennes, à encore récidiver dans ce genre de situation. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est Dieu qui est venu à notre secours. C'est Dieu qui a entendu, qui a essayé de sécher un peu les Nos larmes larmes, des oui, un victimes. peu. Et voilà. Donc, on va pas essayer, en tout cas, d'aller dans le sens inverse, alors que la majorité des Guinéens souhaitait une justice. Et la justice divine s'est prononcée. Et aujourd'hui, on a mis hors d'état de nuire ce groupuscule qui nous a tant fait pleurer. Et voilà, par rapport à son chef de gang, qui est Alpha Condé, qui nous a tous fait baver, parce que c'est pas parce. Allô? Allô? Ah, de ces crimes, et que ce soit économique ou de sang, c'est que, parce que, par exemple, ici, quelqu'un qui a. Oh, allô? Oui, Vous allez-y, on est entendez? là. Oui. Allez-y. Les gens appellent en même temps, en fait. Allô? Allô? Oui, allez-y, Oui? allez-y, Vous allez-y. m'entendez? Oui, très bien. Bien. Donc, ici, même ceux qui sont à l'extérieur de la Guinée ont subi les affres, les conséquences innombrables de ces crimes, que ce soit économiques. Allô? Allô? Et voilà. Il y a des gens qui appellent. Allô? Allô, oui, bonsoir, comment ça va? Allô? Allô, oui. Allô? Vous m'entendez? Va, merci. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, je vous re... Allô? Allô? Oui, c'est bon Oui. là. Je me présente à vous. C'est Fatima qui dit allô de l'Allemagne. Je vous suis depuis ici, depuis fort longtemps. Avant tout d'abord, je suis fière de vous parce que vous n'êtes pas là pour une ethnie. Il y a eu 1 000 personnes qui l'ont dit. Vous êtes là pour la Guinée. On vous remercie et on vous Merci. souhaite une santé de fer et une très longue vie Amin, avec amin. nous. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième pas, j'ai écouté une soeur. Je ne sais pas si elle est chouchou tout à l'heure. Elle vient de parler. Où étaient les RPGistes? Quand on tuait les enfants, moi, c'est là que je me pose la question, sinon je ne parle pas de politique. Où ils étaient? Pourquoi ils n'ont pas dit Alpha Condé ou, je ne sais pas, l'armée ou les policiers, les militaires qui étaient là dans les rues, qui tuaient les gens? Pourquoi ils n'ont pas dit d'arrêter? Maintenant, c'est maintenant qu'on comprend que ça fait très mal. C'est maintenant qu'on comprend ça. Eux, ils comprennent que ça fait très mal. Pourtant, ça fait très mal.
Ça fait très mal, donc il y a eu des pleurs, il y a eu des déguerpissements pendant un mois saint de Ramadan à Dar es Salaam. Nous tous, on a vu des mamans qui n'ont même pas de mari, des vieilles mamans même qui n'ont pas de mari, qui n'ont pas de soutien, qui étaient là pendant plusieurs années où leurs enfants ne connaissent que Conakry. On les a dit de quitter les maisons. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Et il y a une fille aussi qui est venue intervenir pour dire que je ne sais pas quoi tout à l'heure. Elle défendait, je ne sais pas, le pouvoir qui est démoli comme ça, là. Donc, nous, on n'est pas contre eux, et vous et moi, et ceux qui interviennent. On est contre l'inégalité qui est dans le pays. Nous sommes contre ça. Ce qui se passe dans le pays, nous sommes contre ça, ma soeur Kisoko. Ce n'est pas à cause d'une ethnie. Et ma soeur, là, elle a souligné un aspect. Je voudrais que les Ajikink, les Paikounsar et tout là-bas, tout le monde comprenne et qu'ils font des vidéos à chaque fois. Ils gagnent la puissance pour dire que les jeunes peuvent là, les blogueurs surtout, ils n'ont qu'à laisser Doumbouya faire son travail. On va le suivre à la rigueur. Parce qu'ils savent que au fond de lui, ma soeur Fissoko, nous n'avons pas peur. Mais on n'avait pas les armes qu'il mentait, qu'on avait des armes que à Bambeto là-bas, sur l'axe là-bas, il n'y a que des bandits, il n'y a que des assassins, quoi. Si on avait des armes, on allait dépasser ici depuis fort longtemps. Il y aurait une autre chose. Mais vu qu'on n'a rien, qu'on n'avait que des cailloux, et on sortait pour nous défendre, nous, on ne connaît nulle part que la Guinée. Moi, je n'ai pas de peur, ma grande sœur, là où je suis. Je n'ai pas de papa, je n'ai pas de maman. Mais c'est Conakry, je suis née à Hamdallah, Carrefour Concasseur. En ce moment, il y avait le siège d'Alpha Condé en face de la station là-bas. Il y avait son siège là-bas. C'est là-bas que j'ai grandi pour venir en Allemagne ici et continuer mes études. Vous comprenez? Donc, on n'a pas grand chose à dire. Ils savent c'est quoi la vérité et ils sont là toujours à parler de je ne sais pas quoi. Il n'est pas supérieur. Comme ils disent qu'il est guinéen, il a fait tellement de bêtises, tellement d'erreurs, donc il n'a qu'à répondre à la loi lui aussi. Comme une personne, nul n'est au-dessus de la loi, il n'a qu'à répondre. C'est tout ce qu'on peut dire. Moi, je vous remercie très fort. On est tellement fiers de vous. On peut rien, je peux rien dire même. Ça me dépasse l'émotion. On est très fiers de toi, ma soeur. On te bénit de jour en jour, chaque. Qui ne répond pas aux imbéciles. Oui. Allô? Allô? Allez-y. Allô? Oui. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Je veux intervenir à propos de votre direct là. Allez-y, on vous écoute. À propos de ce que vous venez de, vous voulez de, vous avez noté ici, à propos de Alpha Condé et le pouvoir Alpha Condé. Et des résidents des rencontres politiques, des rencontres des politiciens, de ce qui se passe en Guinée. Ce que je veux dire, j'ai toujours noté, il y a quelqu'un qui est venu dire, qui parlait de liberté d'expression. Ce que je veux dire, ses emparés ne considéraient pas ses emparés, oubliaient ses emparés. D'où étaient eux au moment dont on arrêtait les gens qui parlaient. Il y a plusieurs personnes qui ont fui la donnée. On peut prendre l'exemple sur Ablaïba qui a été appréhendé lors de sa libération, où il a parlé des résultats, dire que c'est... Je ne sais pas si vous entendez ce que j'ai dit. Très bien, j'entends très bien, je suis là, on entend. On disait que lui l'a dit, et c'est lui qui est gagnant, à sa connaissance, elle. Allô? Allô? Mais toujours, on nous fait voir qu'il y a liberté d'expression en Guinée. Pourtant, c'est faux. Allô, oui? Oui, allez-y. Oui, allô?
Allez-y, allez-y, Vous on me recevez? écoute. J'entends, oui, très bien. Allô? 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 Allez-y, Oui, allô, monsieur, vous on me vous recevez? écoute. Allez-y. Oh, ok. Ouais, à propos, ce que je vais dire, c'est à propos de Doumbouya. Doumbouya, il a bien fait. La population guinéenne doit comprendre de laisser le faire au maximum de son billet. Mais il doit être aussi prudent. Très bien. Parce que j'ai vu une vidéo qui circule actuellement. Il y a ses soi-disant amis qui est venu de la France. Et puis, comme ça, il y a d'autres qui sont venus des Cancans. Et ils disent qu'ils sont venus le saluer. Mais ça, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Où D'accord. étaient-ils au moment dont Alpha Condé faisait des bêtises? Ils sont tous des Malinké. Ils nous font voir qu'ils sont ses amis. Ce que je veux dire à Doumbouya, de ne pas écouter même les coordonnations du footag ou de basket, n'importe quoi, il n'a qu'à les oublier. D'accord. Parce que ce sont eux qui sont tous venus manipuler Dadis et Konaté, et je sais quand même Alpha Condé en personne. Oui, les gens là, laisse tomber. Même Alpha Condé en personne, parce que moi, au moment dont je connaissais Alpha Condé, il n'avait pas cette idée. Ce sont son entourage et les coordinations, ce sont de n'importe quoi, qui se fait voir, ils sont des Guinéens, ils ne sont pas Guinéens que les autres. En tout cas. Il y a combien de jeunes Guinéens qui perdent la vie? Il y a combien de Guinéens qui sortent actuellement? On est là à marginaliser les gens. Ce que je vais lui donner comme conseil, il n'a qu'à pas. Il qui viennent dire que nous sommes des amis. Et je sais quoi, nous sommes des amis, nous venons des mêmes endroits, je sais quoi. Le numéro français qui termine par 11 là. Vous avez appelé trois fois, je vous rappelle, hein? Inch'Allah, voilà, c'est lui-là. Allez-y. Allô? 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 Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, allô, bonjour, madame. Bonjour, bonjour. Excusez-moi, vous avez appelé plusieurs fois. Vous m'entendez là maintenant? Oui, je vous entends. Ah, vous avez appelé plusieurs fois. Comment ça va? Oui, je vais bien, et vous? Désolé, les gens appellent en même temps. Donc, quand vous avez le Oui, téléphone c'est à pour ça. l'oreille, vous ne voyez pas que quelqu'un d'autre est en ligne. C'est pas facile, c'est pas facile. Avec le travail que vous faites et avec la joie que tout le monde a dans le cœur, c'est pas facile. Et tout le monde a envie de dire quelque chose. Oui, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Ah, Comme et on dit, je ne sais Kabakou. pas si vous pouvez me terminer le proverbe là. On dit qui sème le vent Récolte la tempête. récolte. Non, l'ouragan. Je te dis, ouragan. Lui, il a Voilà, je voulais dire récolté tornade, mais l'ouragan. ça c'est ouragan. Ouragan point D. Yagi universel. Là, on est parti jusqu'à planète Mars. C'est en train d'aller à Neptune. Et ils veulent faire genre, Je ça vois va. comment je vais appeler le coup d'État. J'ai appelé ça le coup d'État, un coup d'État civilisé, Madame Sissoko. Le cas est dépassé, il est même traumatisé. Hein? Il est traumatisé, il paraît. C'est le coup d'État le plus civilisé. C'est un argument. Maintenant, voilà, toi, maintenant, tu te retrouves en, comment on appelle sa position, en position de si je savais. Wallahi, Et wallahi. Wallahi, il ça Non. que moi, je sais pas. Bon, prions Dieu que le colonel Doumbouya, vraiment, Tala je le sais dit pas. quoi? Anna on a dit quoi. Ah, Ah, quoi? Ah, nous t'avons vraiment aidé. Non, on est fier de ce que tu as fait. Ce que tu as fait là. De ça, on est fier d'abord, mais ce que tu es là, il faut nous montrer ça maintenant. Voilà, parce que c'est ça, j'ai dit, ça fait deux, parce que de toutes les façons, toi, tu travailles avec lui. Oui, C'est ça, tu travaillais avec lui. Donc, voilà, peut-être tu t'es repenti, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé, on verra la on suite. accorde le bénéfice du doute, D'après quoi. les Anglais, on lui accorde le bénéfice du doute. Voilà.
Pour le moment, ce qu'il va faire là, bon, on va essayer de noter la date là et essayer de la fêter, quoi. On va Le bricoler ça 5 d'abord. septembre doit être fêté par les Guinéens C'est une chaque année première. parce que c'est une fête je sais pas comment, de liberté ou d'indépendance, je sais pas quand ça va être fêté. Il doit avoir un défilé, on organise un défilé, Madame Sissoko. Avec tous les combattants, Madame Sissoko et vous, Ali le King, mon ami, que je respecte aussi, tous les combattants se réunissent pour fêter le 5 septembre. D'accord. Merci à Colonel Doumbouya. Eh, on est sauvés. Je ne Wallahi. sais pas si vous avez dansé le jour là, mais j'ai eu de la chair de poule toute la journée, J'ai Madame pas Sissoko. Je dansé. danse, je danse, je danse, je danse seulement. J'ai pas dansé. Les gens qui m'ont appelé m'ont dit, ah, tu vas danser. J'ai pas dansé. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai écouté Ah. la sourate de la vache, c'est Bakra, je crois. C'est ce que j'ai écouté. Ah, J'ai écouté ça. waouh, Oui. J'ai écouté ça. wow. J'ai fait Dieu mon soit truc loué. là, j'avais ça, tu vois, parce que j'en ai dans le sac à main, j'en ai à portée de main, le chapelet là. Voilà. Oui. Je faisais Ya Fatahou, la victoire. J'ai fait ça plusieurs fois. Là Tout le aujourd'hui, par temps, tout exemple, le temps, tout le temps, je vous suis, ici, Madame je suis Sissoko. à Vraiment, j'admire 6 075 votre. là. Voilà Comment on ce que appelle? j'ai fait. J'admire ce que vous faites, Franco. Vraiment, le reste, maintenant, on va voir. Mais Alpha Condé, N'attends pas, c'est gars. comme on dit, depuis Nyangri, Bagatambaratamfito. Il va à Kounangene. Il va à Ramifadori. Ah. Bon, n'a pas la ma belle voyou. Il va à Minador à l'ouvoyou. N'a pas la tout. Afata fin de nier, Badi. Que l'âme de tous les combattants qui sont tombés sur l'axe et que dans l'axe et partout en Guinée repose en Ce paix. monsieur-là, c'est une catastrophe. Qu'il veut qu'il mange pas. En fait, c'est un faux débat. Les gens sont en train de rentrer dans un débat. Non, t'es sorti ici, c'est rentré ici, Malinké. Hey, ce n'est pas une histoire de Malinké. D'abord, il y avait un mauvais qui était là. C'est une histoire de Guinée. Celui qui était là, c'était un zéro. C'est ça le problème. C'est pas une histoire d'ethnie. Il se voit qu'ils ethnisent. C'est celui qui vient là. Si, mais s'il va pas bien, on va sortir encore, on va parler. Qu'il soit qui, quel que soit son ethnie. On s'en fout de ça. Au fait, pour ce. Il n'a prétexte modèle, il n'en fait moi, quoi. Voilà. Et voilà, mais on a quelques pays à dire, on me rappelle de toutes les façons, à part que les chambres qui ont ces gars-là, qu'elles m'ont dit, c'est comme ils sont en train de Moutan, Naran Colomb, à quel le Burkinané, à part la Burkinabé, à part sur la Guinée-Caï, ils sont. Naran Colomb, quoi, à part la Burkinabé, à part sur la Guinée-Caï. C'est la bonne réponse. Quoi Parce qu'il y a même maniké, de façon que ça soit dans toutes les ethnies, comme on dit. Bella Kabila Yenka. Wallahi. Bella Bunda Yenka. C'est Alpha la Bunda Yemi. Alpha la Kabila Yemi. Alpha la village Yemi. Donc, on a qu'à arrêter de se mentir, c'est un Burkinabé. Burkinabé, il a. Il a, c'est tout. Passez tout ton temps à humilier les gens, voilà toi aujourd'hui. Ils ne pouvaient pas finir d'une autre manière, madame. Wallahi, wallahi. Ça ne pouvait finir que comme ça. Il Yagi, Malira, collaborateur, il faut abrir Nayagi. C'est que, ma collègue nous a égrimé, continue à avoir un gars, il m'a dit, je suis un biri mabiri, un biri mabiri. Biri mabiri mago. Wallahi. Arrête, on a dit, on m'a dit, ils ont fait, qu'on a dit, non, même aidé. Finkari, Mira, mais, Mira Vandazoro. Allô, Dankadi. Allô, Dankadi. Allô, Dankadi. Allô, Informerie, nous t'aimons avion, que nous avons un non, Kulama, Mira Vandazoro. Botera. Mais c'est pas possible. Non, ma Barkadi, comment on appelle Barkadi? Anagana Lunam. Anagana Lunam. Il me rira sur une, il me rira ma bérine, il était loin, il rame, ma bérine, ma bérine. Attends, mais ça ne peut pas continuer. Ça peut pas. C'est une malédiction. Un Vraiment. président va venir te réveiller dans ton sommeil, dans ton lit. Ça veut dire que même tes gardes-là, même là, tu ne les traites pas bien. Tellement Oui. tu es méchant. Oui. C'est un méchant, suivi par des méchants. Mais rien n'est dans toi.
Tu sais, j'ai dit ça dans, souvent dans mes directs. Je dis, moi, toutes les personnes que moi, je connais, ceux que vous aussi, vous connaissez, je connais, je parle pas des anciens, mais surtout, surtout, ne du troisième mandat fait d'or et roumain. Et bien, il me et vous, Miriroir Yo, et personnellement, les gens que moi je connais, c'est des gens, je l'ai souvent dit dans mes directs, c'est des gens qui n'ont jamais rien gagné. Ils n'ont jamais gagné le combat. Jamais. Ça, c'est un signe. Parce que c'est des faux. Et ils sont dans du faux. Mais attends, tu peux pas dire. Une fois j'ai discuté avec un monsieur, parce qu'il a fait 40 ans de lutte, mais c'est un faux débat. Je suis fier de ça. Un diaspora, ça ne veut pas dire que tu es plus intelligent que tout le monde ou bien que tu as plus d'expérience. Oui, c'est vrai. Mais il faut avoir un bagage. Mm-hmm. Il faut avoir un CV, il faut travailler, mais il faut gérer des trucs. On voit les gens qui se présentent ici à la présidentielle, mais ils sont maires, ils sont ceci, ils sont préfets. Mais le troisième mandat là, il est très bon. On se lève pas un beau jour comme ça là parce que tu as insulté, tu as contré des présidents, tu as parlé. Et là, il fallait manger à recevoir. Depuis, il faut l'air qui voulait go, n'a rien d'or et qui. N'a voulu faire l'air à go. Depuis, avant 2000 même. N'a l'air à n'a dit que c'est une cuit. Ah, papa, n'y a pas de souris. Alors, Darwin a tout le monde, ça m'a dit que c'est une madame Bagnon, je suis là, 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 Allez, portez-vous bien, madame Dissoukou. Portez-vous bien et bon courage, vraiment, à la Romalie. Amin Allah, merci beaucoup. Allez, au revoir. La Guinée, Non, moi, j'attends d'abord. C'est des policiers, nous, dans le monde. Allô? Allô, s'il vous plaît. Bonsoir, comment allô, ça va? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui. Ah ouais, il faut, Yann, mon frère, il faut diminuer la radio. Je le vois sur l'autre votre direct là, quoi. Ah, il faut le diminuer voilà. Pour parler par ici, sinon on entend. Moi, je sais Alpha. Je connais Alpha. Non. C'est en 89, pas. C'était fait où? Oui. À Koya. Quand il était venu pour lancer son parti, il faut demander les anciens à Koya. Ce jour-là, il était venu, ils nous ont dit tous les jeunes que le président doit venir pour lancer son parti. Quand il est venu, nous, on était à la réunion. On m'a dit là-bas, c'est là-bas qu'on m'a dit que. Tous les militants doivent cotiser pour accueillir le président. Je dis là, je ferai tout sauf ça. Moi, je ne suis pas
sacrifice de quelqu'un. C'est lui qui doit me donner l'argent. C'est pas moi qui dois donner l'argent au président. Pour son parti. Depuis ce jour-là, je te dis en 89, après 90, il a créé le parti. Il faut demander les anciens de RPG. À quoi? Aujourd'hui, j'ai mes 47 ans. D'accord. Depuis ce jour-là, moi, je dis, mon père, il était vivant. Il dit, alors, il y a pas mal. 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 Après, ils m'ont dit là-bas, ils ont dit le nom de parti que j'ai RPG. Ils se disent, mais ça, c'est le rassemblement des pagayas de Guinée. Oui. Ceux qui étaient là-bas à l'époque, ils le savaient. Oui. Mais ça fait comme un an, depuis 89, 90, c'est avec qui ils sont partis. Moi, je savais que mes Alpha, il était venu, c'était un pagaya. C'était pour le préparer pagaya. Par coïncidence, moi, je suis de Boké. Je suis parti à Boké, mais il dit qu'il fait son meeting, c'était, je crois, 90. C'est là-bas, il a dit qu'il est né à Boké, il a grandi, je dis, mais quelqu'un qui a grandi, qui ne connaît même pas sa ville natale, hein? Comment lui peut être président? Il me dit qu'il a étudié avec les amis, qu'il a étudié, il a fait ses études à Paris, je dis, t'as fait ses études à Paris, connaître. Je dis qu'il a gouverné, il a même eu un poste ici, là, en Guinée. Je dis, mais ça, il n'a qu'à venir, vous allez bouffer son argent. C'est vous qui allez cotiser pour lui, hein? C'est pas lui qui va cotiser pour vous, hein. Depuis Nelore, depuis ce jour-là, moi j'ai vomi RPG jusqu'à présent. Et là, ça fait combien d'années? Des 80, 90, ça fait 35 ans. Je sais quand même, c'est quelqu'un qui ne pourra rien faire pour la Guinée. Il ne pourra rien. C'est quelqu'un, tous les grands contrats qu'on a eu avec les blancs, c'est lui qui bloquait. Attendez, si je viens, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre. Oui, il est venu là, il a fait quoi? Rien du tout. Rien du tout. Ils ont tout fait pour moi, j'étais à Conakry à Matam. On m'a dit que de former les jeunes pour la RPG, j'ai dit non. Moi, donc, c'est toi, pas moi ça. Toi, tu refusais. J'étais tout. Un jeune influent quand même. Tout ce que le RPG te demandait, toi, tu refusais. Ah, toi aussi. J'ai dit donc, il n'a pas besoin de me mettre en mer, il me tourne de ma nabre. Moi, je refusais. Ah, toi aussi. Ah, on ne peut pas refuser. Il fallait les aider. Non, je sais, c'est quelqu'un qui ne pourra pas faire. C'est un parti qui n'a même pas le président du parti à l'époque. Fana Fa, après le président, il est là. Il n'y avait pas parti. Le comité qui est là, c'est. Tout dans les mecs qui a été là, c'est maintenant qu'ils ont. Comme était mon abbé. Il venait, Amangé, par exemple, Amangé fait qu'il n'a pas né. RPG, réunion là-bas de mon abbé. Tout dans les. C'est à la dernière minute qu'ils ont fait le chef de RPG vers la Thomas là-bas. On m'appelle aussi, je dis, je vais pas. Je dis, là, c'est pas un parti. C'est des pagailles, ça. Oui. C'était des pagailles. Voilà, il n'y a pas d'ailleurs. Qui ressemble. Et puis, il forme un parti. Kamouka, il part, tout ce qu'il le laisse. Aïma, pour la nous, il y a un peu mal. Moi, je crois qu'il était ingrat quand même, tu savais. Tu savais. Ah, après la mort de Lassane Conté, ils ont dit que j'étais là, moi, j'étais en France, j'étais dans mon salon, le salon de mon frère. Ils m'ont dit que, enfin, je dis, lui, il pourra rien. Je dis, toi, tu sais, je dis, si c'est lui qui vient, ça ne pourra rien. Il ne pourra rien faire pour la Guinée. En fait, ça va souffrir la Guinée, c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Oui, c'est ce qui s'est passé. Ah, mon ami, moi, j'avais quand même mal parce que quelqu'un, il ne pourra rien. Quelqu'un qui a un pays, qui connaît. Les Guinéens ont pris confiance parce qu'il appelle l'Europe. Oui. Faire l'Europe et connaître l'Europe. Regarde ce ministre, celui qui vient, il vient s'installer dans la chambre de son neveu, de ta nette. J'étais en Europe, j'étais en Europe. Au lieu de voir la réalité d'ici, il fait un mois, deux mois et pas. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pour bouffer l'argent, c'est tout. Au moins, quand il sort, un ministre qui sort du pays, c'est pour voir la réalité de ses autres. Il vient pour faire la coopération. Oui. C'est pas pour les vacances. Les vacances sont faites pour ça, pour au moins voir là, c'est comment c'est les autres. Mais ça n'a pas été fait. Oui. Oui.
Même moi, là, je connais beaucoup là où je suis, là, je ne veux pas dire ma ville, mais je connais quand il vient là où il dort, tout, 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 tout. D'accord. Même avant 2010, ils étaient là, ils ont fait l'air. C'est un jeune qui me connaît, ils m'ont dit il y a un PDG qui doit faire leur meeting à Montreuil là-bas, à la mairie de Montreuil. Il y a une grande salle là-bas. J'ai dit, mon frère, moi, je vais aller, il y a une cérémonie là-bas, mais là, moi, je retourne. Je ne vais pas. J'ai dit à mon ami, je dis, non, je ne vais pas me mélanger avec ça. Pour me voir la tille avec ce gars là. J'ai dit, ce n'est pas vrai. Puis, ils ont payé les gens pour que la salle soit à Chicombre. Il n'y avait pas d'argent. Ce n'était pas des militants, c'était les jeunes qui ont payé dans le Montreuil et puis pour qu'il soit ça me a tué comme. Moi, je n'ai pas été. Alors, vraiment. Sinon, j'allais être un jeune influent à RPG, mais je n'ai jamais été. D'accord. Je n'ai jamais voulu. Ok, je vais vous laisser. Je vais appeler quelqu'un d'autre aussi, Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Hein? Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, merci. Non, Alpha Firmara. Yagi Nara. Non, Yagi. Adunia. Celui qui a dit qu'on n'a rien compris là, c'est pas grave. On ne peut pas tout comprendre. La différence entre vous et moi, quand moi je ne comprends pas, j'assume. Je ne peux pas tout connaître, je ne peux pas tout comprendre. Je vous ai dit ici, moi je ne veux pas d'Alpha Condé. C'est de lui que je ne veux pas. Voilà. Maintenant, vous, votre politique là, je ne sais pas comment c'est. On a ancré des trucs dans la tête de vos parents. Vous avez ramassé ça en héritage, c'est-à-dire politique héritage quoi. Que ce soit bomba, que ce ne soit pas bomba, vous êtes dedans. Moi, je n'ai pas eu d'héritage politique. Moi, j'ai ma tête. Je vous ai toujours dit, il faut savoir si tu ne sais pas ce que tu veux, il faut savoir ce que tu ne veux pas. Voilà. Allô? 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 Oui? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous reçois bien. Ah, comment ça va? Ça va bien, merci, madame Sissoko. Eh, vous avez appelé une fois seulement, ça passe, c'est très bien. Merci. Et j'appelle des États-Unis. J'appelle des États-Unis maintenant, là, comme je vous suis toujours, mais des fois, le décalage horaire, des fois, je viens, vous avez déjà fini. Ah, vous avez appelé une fois seulement, j'ai pris, j'ai dit, hé, hey, Allah, Regita. Parce que j'ai la chance, Dieu veut qu'on m'entende aussi. Comment dire? Forcé même. Moi, comment ça va? Moi, je m'appelle Adam. Comment ça va? Bon, j'appelle pour, bon, on a un problème qui est dans un coup. Actuellement, on dira aux Guinéens, ceux qui disent qu'ils ne sont pas contents de la réaction de ce que le colonel a fait, ils n'ont qu'à rester tranquilles comme les autres ont fait hier. Aujourd'hui, la libération, on a été libérés. On dira que nous, on a l'indépendance deux fois. En 58, le 2 octobre, et le 5 septembre 2021. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Le président Alpha Condé, moi personnellement, depuis le début, c'est un monsieur que je n'avais pas du tout confiance. Je n'ai jamais eu confiance à ce monsieur. J'ai eu des problèmes même avec mon propre père, après le Sikeita, de la route. D'accord. Mais c'est ma maman qui est sous. J'ai toujours eu des problèmes même avec mon propre père parce que je ne voyais rien en ce monsieur-là qui peut, en fait, d'un politicien, hein, deuxièmement, de quelqu'un qui peut faire bouger le pays d'un pas. Tout ce qu'on dira au colonel Doumbouya, il n'a qu'à faire attention avec les anciens là. Comme un monsieur vient de dire, il n'a qu'à oublier les réunions, les conseils, tout. Et prendre son temps, le temps qu'il faut, pour nous sortir de ça tranquillement et sûrement. C'est la prière de tout un Guinéen. Alpha et son groupe, moi, mon souhait, c'est de les juger en Guinée là-bas. Ils n'ont qu'à partir essayer la maison centrale. La maison centrale, les innocents sont restés dans la maison centrale des mois, des années, pour rien, parce que j'ai dit seulement, je ne veux pas ce que tu fais. On m'a mis dans la maison centrale. Pourquoi pas eux? Et il y a une dame que personne ne parle son nom, ils l'ont oublié. Je sais qu'il n'y a pas ça dans votre sujet. C'est MB, je dis. Nantes chérie. C'est vrai. On doit chercher la dame. Tu as raison, madame. Malheur,
tu as bien fait. Tu as raison. Elle est calme, personne ne dit son nom. Oui. Elle est où? Voilà. Elle est où? Je suis tout. Mais oui. Je n'entends jamais son nom. Nancy oui. Shérif est où? Oui. Elle est où? Point oui. d'interrogation. Je sais que ce n'est pas dans le sujet, mais je dis seulement. Parce oui. que je vous suis toujours. Vous avez bien fait, madame. Vous avez très bien fait. Je remets pour regarder ce que vous avez fait. Des fois, je partage. Très bien. Vous avez très, très bien fait. Nancy Shérif. On va la noter même. Nantou chérie, vous m'avez dit, vous avez dit. Prions pour le colonel là. Prions, donnons-nous là. Mais surtout, surtout, mes cousins peuvent là, on doit leur dire qu'ils n'ont qu'à se calmer. S'ils ne se calment pas, s'ils ne se calment pas, c'est pas bon. Tout ce que les malinqués disent là, mes parents disent là, c'est la démagogie. C'est la démagogie. C'est la démagogie. Ils veulent seulement créer, ils veulent seulement mélanger les gens. Oui. C'est là que, comme c'était Alpha Télé, oui. divisé pour régner, oui. mais Dieu ne leur donnera plus jamais la chance. Là. Inch'Allah. La Guinée voilà. n'est pas un pays bizarre. Oui. Pourquoi hier, je suivais un monsieur sénégalais qui parlait, qui a même dit. Parce que j'ai même partagé, le monsieur a dit que les gens qui ont modifié les tailleurs constitutionnels, là, comme les alphas, récoltent toujours ce qu'ils ont fini. Et que la Guinée n'a pas, que chez nous, le colonel Doumbouya n'a pas fait un coup d'État. Que ce n'est pas un coup d'État. Non? Il a fait le retour de l'ordre constitutionnel. Oui. Et c'est ça le mot. Les gens doivent arrêter de dire un coup d'État. C'est pas un coup d'État. En fait, c'est fait lui-même un coup d'État. Et le colonel Doumbouya a fait le retour à l'ordre constitutionnel. Bemba, je vous remercie beaucoup. Je prie toujours pour vous. Et merci parce que tout le monde ne peut pas avoir la force de se mettre comme ça devant tout le monde, essayer de nous diriger. Oui. Et moi, ce que je vous dirais, merci beaucoup. Merci à vous merci. Aussi. Merci. Merci pour le rappel de Nantou Shérif. Nantou Shérif, on te cherche. Hein. Je n'y croyais pas. Je regardais, je ne croyais pas. Je pleurais tellement. C'est la vérité. Dieu est là-bas. Il est devenu gaga même. Dieu existe. Ce zouave-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, merci. Vous avez vu, elle avait une information importante. Ça a sonné, je voulais rappeler quelqu'un d'autre. J'ai appuyé sur elle, sur son numéro. Les Français, là, attendez. Hein. Ceux qui appellent plusieurs fois, la dame, elle a eu la chance. Là. Allô? 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 Vous m'entendez? Allô? 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 Votre connexion là, ça va pas, hein? Allô? Allô? Allô, vous m'entendez ou pas? Walina. Ils appellent. Non, lui, je l'ai appelé. Celui qui a appelé tout à l'heure, là, 15-27, là, à la fin, je vous rappelle, hein? Inch'Allah. Allô? Oui, allô? Comment ça va? Oui, ça va très bien, ma soeur. Vous allez bien? Oui, oui, Dieu merci, et où là-bas? Ouais. Je crois, comme les débats, quand nous faisons les débats, surtout dans les débats politiques, il peut y avoir quelqu'un qui peut être avec vous ou qui peut être contre vous. Du coup, c'est deux idées qui doivent s'affronter en fait. Non, c'est pas un débat.
Non, mais en fait, j'aimerais savoir, parce que si nous parlons bien de la Guinée, je pense que ce débat concerne à tout le monde. Oh, donc, oui, ça concerne tout le monde. Maintenant, là, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ouais. Il y a des pages pour les propagandes des RPG d'Alpha Condé. C'est non, il n'y a pas à faire des propagandes. Moi, je ne suis pas RPG. Vous allez là-bas. Okay. Vous allez là-bas si vous voulez le défendre. Ici, ce n'est pas pour le défendre. Moi, depuis cette page-là, je l'ai toujours dit. Je ne défends personne. Je me laisse juste vous proposer mes idées. C'est ça le truc, en fait. Moi, c'est la Guinée qui m'intéresse. Ce n'est pas Alpha Condé qui m'intéresse. Ah, allez-y. Okay? Allez-y. Voilà. Du coup, c'est que moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, la question que j'aimerais bien vous poser. Moi, parce qu'en fait, je suis un peu perdu par rapport à les questions que je dois poser. Comme, vu que je n'arrive pas à trouver la réponse, j'aimerais savoir aujourd'hui, si construire une Afrique ou bien un pays que nous tous, on rêve d'avoir demain, si cela peut être possible avec la démocratie ou bien sans la démocratie. Parce que moi, si je prends vraiment l'histoire des 5 pays qui sont développés aujourd'hui, je sais très bien qu'on construit les pays sans la démocratie. Et c'est après la construction des 5 pays qu'on parle de la démocratie. Aujourd'hui, nous, les Africains, je crois, tellement nous sommes abonnés à la suite comme les France 24, nous-mêmes, nous réclamons plus la démocratie, plus que les pays blancs. C'est même qui nous ont enseigné. Voyez ou pas? Très bien. Voilà. Moi, ma question que je me posais, si un président fasse un troisième ou un quatrième mandat, qu'on doit le chasser parce qu'il a fait un troisième mandat, ou qu'on doit le chasser parce qu'il n'est pas bon. Parce que le truc, c'est le une bonne question. Est tellement large maintenant, on n'arrive plus à se retrouver en fait. Parce que moi, je ne suis pas contre qu'un président fasse 10 mandats. Si demain, celui d'aller dire. Je peux parler maintenant. Ouais, voilà. Je vous écoute, madame. Moi, personnellement, moi, je n'ai jamais dit ici que je me battais pour la démocratie. Je ne me bats pas pour la démocratie, hein. Moi, mes premières vidéos, je veux une démocratie islamique, c'est-à-dire une démocratie avec quelques lois islamiques, des lois à base islamique. Parce que si c'est Dieu qui donne le pouvoir, je ne vois pas pourquoi on est parti bricoler des lois à gauche, à droite qu'on ne respecte pas. Ça, c'est le premier point. Mais vu les circonstances, moi, c'est ça mon problème. Moi, je m'adapte à la circonstance parce que je n'ai pas le choix. Donc, quand je vois une injustice, ça aussi, c'est l'islam. Ça aussi, c'est la vérité. Je me mets dedans, un. De deux, ce que vous venez de dire là, est-ce que c'est le cumul du mandat, le problème, ou est-ce que, je ne sais pas, ce que vous venez de dire. Le truc est que il y a des lois. Quand on prend l'âge de Alpha, quand on prend tout ce qu'il a fait, peut-être vous êtes satisfait. Moi, je ne suis pas satisfaite. Et la Guinée, ça ne va pas. Quand on prend Alpha, s'est battu pour les problèmes contre lesquels il s'est battu. 40 ans après, on se bat pour les mêmes problèmes aujourd'hui. Ça, ce n'est pas normal. Parce que 40 ans, ce n'est pas 40 jours, ce n'est pas 40 heures. Moi qui vous parle là, moi, je me suis déjà assise devant cet écran, défendre Alpha Condé, dire aux gens, on laisse passer cette constitution pour que de nouvelles personnes arrivent, pour que Alpha parte avec tous les groupes des Dalen là. Moi, j'ai défendu cette constitution. En ce moment-là, tu n'osais même pas dire ici Alpha Condé. Vous comprenez? La constitution passe. Monsieur falsifie encore les côtés qui peuvent faire entrer de nouveaux jeunes dans la politique. On voit Dalin qui apparaît à son tour à la dernière minute. Moi, je ne vais pas t'aider à te débarrasser des autres pour que toi, tu montes tranquillement que tu t'asseilles. Moi, c'est comme ça que moi, je conçois la politique. Vous comprenez? En fait, maintenant, le cumul de mandat de Alpha, là, tout ce qu'il fait là, quelqu'un peut travailler. Quelqu'un peut travailler, mon frère. Tu travailles. Tu travailles. Nous tous, on rentre. Parce que vous m'appelez d'un 07. Nous tous, on rentre. C'est-à-dire nous-mêmes, on est tellement bien qu'on dit à la personne, hey, transforme la Guinée en royaume. Pourquoi les Africains n'attendent pas cela? Pourquoi ils veulent s'imposer à chaque fois? Et s'imposer par la force. Puisque nous avons vu tout ce qui s'est passé. Maintenant, concernant Dalin, je n'ai pas fini. Concernant Sérou Dalin, moi je ne suis pas de l'UFDG. Je l'ai dit ici 50 000 fois. Vu la circonstance, comme la circonstance d'aujourd'hui, les Guinéens sont toujours du genre à étouffer les autres, à essayer d'étouffer la vérité. Moi, je ne suis pas pour ça.
Je ne vais pas mettre dans une situation pour étouffer les autres, pensant qu'ils sont dans une situation de faiblesse. Non, je me mets de ce côté-là, parce que ça, c'est mon devoir, ça, c'est mon droit. Personne ne peut m'imposer le contraire. Je ne voulais pas d'Alpha Condé. La personne qui le fatiguait, la personne qui l'humiliait et qui le ridiculisait et arrivait à l'anéantir, c'est Saint-Laudel qui a fait. Parce que là où on est aujourd'hui, là, c'est parce que tout ce qui s'est passé, le haka et tout le reste, nous a amené ici. Maintenant, Saint-Laudel et moi, à sa place, si jamais, comme vous avez posé la question, si jamais il se présente aux élections prochaines, moi, je le conseille pour être un homme politique exceptionnel et extraordinaire, même s'il a droit à deux mandats, de faire un seul mandat. Oui, par rapport à son âge, et prouver que lui, il est exceptionnel. Lui, il fait ce que les autres n'ont pas fait. C'est ce que l'Africain n'arrive pas à faire. Faire des choses exceptionnelles et extraordinaires. Il faut qu'on essaie de rentrer dans l'histoire en faisant des choses exceptionnelles et extraordinaires. On peut avoir deux à trois mandats, ou à deux mandats, et puis on fait un seul mandat. Pourquoi pas? On peut en avoir marre. Il faut qu'on apprenne cela. D'accord. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à vos questions qui sont hors sujet, parce que c'est complètement hors sujet. Complètement. Voilà. Donc, gros, c'est ça. Je veux vous poser une deuxième question, en fait, parce que là, vous avez touché une partie encore qui m'intéresse très. En fait, là, vous me dites que les vieux doivent se retirer pour laisser la nouvelle génération. Je n'ai pas dit ça. Écoute. Non, mais... Alpha a changé la constitution. Moi, je l'ai voté. Je n'ai pas voté. Je l'ai défendu pour que tous les vieux, y compris lui, puisque c'est le plus vieux. Mais je ne vais pas garder Alpha et rejeter Dalain, puisque Alpha est plus âgé que Dalain. Aujourd'hui, je prends Mamadi Doumbouya, parce que Mamadi Doumbouya a fait un truc exceptionnel. Là où on était là, personne ne pouvait nous enlever là. Là où on était là. Nous, on va récompenser Mamadi Doumbouya comment? C'était comme Dalain, pareil. Dalain, tout le monde disait que Dalain... Non, 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 je n'ai pas fini. D'ailleurs, je vais vous couper et répondre en direct. Là-bas. Il faut que, n'importe quoi. Vous allez m'écouter maintenant, là où je suis là, je vais arrêter. J'ai soutenu Dalain, pourquoi? Parce qu'il a eu le courage d'affronter Alpha. Les autres ont fui. Les autres ont eu peur en disant que c'est de la folie de se présenter contre quelqu'un, tu ne vas pas gagner. Si celui-là fait cela, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je le soutiens. C'est ce que moi je fais. Moi, je le soutiens. Moi, je l'ai soutenu dans ce sens-là. Maintenant, s'il y a des prochaines élections, il y a des gens beaucoup plus jeunes et tout, ben je dirais que c'est le jeune. Ethniquement, s'il y a un peu face à une autre personne, je prendrai le peu. Ça, ce sont mes convictions à moi. Ça, c'est moi. Voilà. Les autres, vous faites ce que vous voulez. Le problème avec tous les Guinéens, moi, vous ne pouvez pas m'imposer quoi que ce soit. Ne rêvez même pas. Moi, je fais ce que je veux. Ce que je pense être juste par la grâce d'Allah. Aujourd'hui, c'est Mamadi Doumbouya. C'est comme ça. Demain, il va déconner, ça sera autre chose. Il faut que vous compreniez, Marie Sissoko. Moi, je ne suis pas éduquée dans le sens du RPG. Non, non, je ne connais même pas ça. Les gens qui sont éduqués dans le sens du RPG, le sens du mensonge, et prendre ce parti comme si je ne sais pas c'était quoi, tandis que c'était une grosse connerie, c'était un groupement ethnique qui a complètement échoué. Ils sont là que pour s'aimer la zizanie et le désordre. C'est ce que c'est. Et ils ont du mal à sortir de ce cercle vicieux-là. Moi, je ne suis pas de ce cercle vicieux. Je n'ai jamais adhéré à un parti politique. Je n'ai jamais voté. Et je l'ai dit ici. Si je dois adhérer à un parti politique, j'ai dit que ça serait l'UFDG. C'est ça que j'ai dit. Si je devrais... Si je n'ai pas envie encore, je ne vais pas y aller. Il n'y a aucun moyen de pression. Il faut que les Guinéens comprennent cela. Voilà, c'est ça. Moi, je n'ai pas dit qu'il faut laisser les jeunes. C'est Alpha Condé qui a, pour la modification de la Constitution, on voulait qu'il y ait des jeunes. Mais Dalain est plus jeune qu'Alpha Condé. Alpha Condé est le vieux de Dalain. Donc, si je vais par principe, c'est ce que je fais. Et de toutes les façons, toutes les questions que tu as posées, c'est des questions très, très pertinentes. Et ce sont de très, très bonnes questions, mais qui sont complètement hors sujet. Mais comme ce sont des questions que vous vous posez entre vous, là-bas, vous voulez savoir ce que c'est, ben c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, vous me mettez un peul qui fait pareil que le colonel Mamadi Doumbouya. Je prendrai le peul. Parce que ça serait ma façon de lutter contre l'ethnocentrisme. D'aller dans le sens qui n'est pas mon patronyme, qui n'est pas Sissoko, qui n'est pas Malinké. Ça, c'est ma façon de lutter contre l'ethnocentrisme. Maintenant, ceux qui sont là à bavarder tout le temps, qui défendent Alpha Condé, il y a certains qui ne critiquent jamais Amadou Damaro. Ils ne critiquent jamais Bafoué. Ils ne critiquent jamais Fabou. Pourquoi? Ils ne critiquent jamais Damantan. Pourquoi?
Posez-vous ces questions. Ce sont des gens qui sont dans un combat ethnique. Ce n'est pas un débat, c'est connu de tous. Et ça va sortir progressivement. Ça va sortir petit à petit. Quand tu as une grandeur d'âme, ce que Marie Sissoko fait là, par la grâce d'Allah, c'est ce que tu fais. Maintenant, comme vous voulez amener le débat dans autre sens, ou je ne sais pas dans quel sens, moi, ça ne me gâche même pas mon sommeil. Ça ne me fait pas transpirer. Je n'ai pas les yeux gonflés. Je dors très bien. Je n'ai pas eu une éducation de parti politique. On ne m'a pas dit que si ce n'est pas le RPG ou tel parti que toi tu es ingrat ou que tu n'es pas bien. Ceux qui ont été éduqués dans ce sens, vous avez reçu une très très mauvaise éducation. Et c'est cette mauvaise éducation qui est en train de vous fatiguer aujourd'hui. Et ça, c'est valable pour tous les partis. Le RPG a eu sa dose. Si quelqu'un aussi est dans l'UFDG dans ce sens-là, tu auras ta dose demain, Inch'Allah. Ça sera comme ça, avec ça qu'on va lutter contre l'ethnocentrisme. 90% des gens qui communiquent ici, quel que soit leur bord politique, 90%, ils sont dans un combat ethnique. Et c'est ça la faille. C'est ça l'erreur. Nous allons faire des propositions pour lutter contre l'ethnocentrisme. Nous-mêmes, nous allons faire un débat pour cela. Et nous allons faire des propositions. Et on va voir ce jour-là ce que chacun de nous va proposer. Parce que ce truc ethnique est un problème. Parce que c'est ce qu'on réclame. Parce que la population est apte à ça. Nous sommes aptes à cela. Vous regardez les commentaires. Vous voyez comment les gens se comportent dans les groupes. Parce que moi, je lis souvent les publications. Tout est ethnique. C'est complètement ethnique. Maintenant, tu t'adaptes à la situation qui se présente à toi. Comme je vous l'ai dit, le colonel Mamadi Doumbouya, ce qu'il a fait, je dis et je le répète, il y avait qui pour faire ça, pour nous sortir ça. On allait attendre 3 ans qu'Alpha meurt, 2 ans qu'il meurt, 5 ans qu'il meurt, toute cette souffrance-là. Il a sauvé sa tête, il nous a sauvé au passage. Qu'est-ce qu'on fait? On nous soutient. D'aller se présenter face à un délinquant qui a voulu le détruire. On sait tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je devais faire? Je devais le soutenir et c'est ce que j'ai fait. Si c'est à refaire, je le referai. Et puis vous ne pouvez rien faire. Vous allez écrire les injures ici. Vous allez faire des vidéos insultées. Je vous dis, je ne regarde pas. Quand je veux savoir ce qui se passe, je vais chez Agi. Comme avant-hier, j'ai trop ri sur son direct là-bas. Je regarde ça suite à la fin, là, je ne sais même pas, il disait quoi. Ça m'a beaucoup fait rire. Ou je vais chez Fama, je regarde. Le jour que je n'aurai rien en commun avec Agi et Fama, je ne les regarderai plus. Ça, c'est ma nature, c'est ma façon d'être. Donc, chacun fait son truc. Comme il pense que c'est bien, je fais mon truc comme je pense que c'est bien. Mais Alpha Condé, il est parti. Allez-y voir des psys. On a un yagi ouma. Yagi, yagi, nara. Voilà. Yagi mondial. On a un fait quoi? On a un fait quoi? Parce que on a fait au corgo. On a payé ouma. On a fait au salé finalement. Parce que on a fait au corgo. C'est fini. On va plus vous payer. Agnon. On ne vous donnera rien, vous avez une mauvaise communication. L'ethnocentrisme, c'est vous qui avez foutu tout ce bordel là dans la vie de Alpha. C'est vous qui avez tout manigancé. Parce que chacun de vous a son plan ethnique. Ah ouais, ça n'a pas marché. À bientôt, peut-être demain ou après-demain, Inch'Allah. Merci à tout le monde pour les partages, pour les commentaires. Et soutenons le colonel Mamadi Doumbouya. Pour l'instant, c'est ça. Toutes les personnes qui ont appelé, on lance un message, passe un message pour les frères de l'UFDG de se calmer, quoi qu'il arrive, de se calmer. Il y a des choses que ce qui s'est passé là, ça c'est le travail d'Allah. Ce qui s'est passé là. Ça ne veut pas dire que les personnes avec Dieu, hein, Allah peut amener même un kafre pour combattre le kafre. Et c'est ça le repentir et changer la personne. C'est à nous de changer ce groupe-là qui est là. Quand on sera prêt à changer, ils vont changer. Mais si nous voulons camper sur nos habitudes ethniques, sur nos idées ethniques, ceux-là ne changeront pas parce qu'ils vont nous servir ce qu'on a envie. Aujourd'hui, au début, ils sont venus, ils ont senti que ce côté ethnique nous fatiguait, cette injustice nous fatiguait, c'est pourquoi ils se sont comportés de la sorte. Il y aura beaucoup de failles, il y aura beaucoup de problèmes. Les gens qui disent qu'ils doivent travailler avec les gens de Alpha, vous avez parfaitement raison. Moi aussi, je pense la même chose. Mais vous ne savez pas dans quelles conditions ce coup d'État-là s'est passé. Et ce sont les militaires. Il y a toujours des petites trahisons à gauche, à droite. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation comme avec Dadis. Nous devons faire doucement, diminuer la pression. Le plus important, c'est les élections et certaines choses. Moi, je ferai mes propositions. J'ai déjà noté certaines choses que je vais venir ici. Je vais les proposer. Vous allez appeler par rapport à cela. Si vous sortez la prochaine fois du cadre
du sujet, comme le garçon là, il a posé de très très bonnes questions tout à l'heure, celui qui a appelé tout à l'heure, il a posé de très très bonnes questions. C'est très très bien, c'est très très enrichissant. Mais les prochaines fois, je ne vais pas faire ça, je vais donner la priorité à la question qui est là. Je reviens là-dessus. Alpha Condé est devenu fou. Déjà, il était fou. Voilà. Il se droguait, il buvait n'importe comment, il mélange whisky, vin blanc, prend beaucoup de médicaments. Il se croit toujours président, il ne comprend pas que c'est un coup d'État. Il a été traumatisé, c'est logique, c'est un être humain. Même si c'est un animal sauvage, mais il reste quand même un petit côté humain qui l'a traumatisé. Prenez l'exemple sur vos grands-pères et vos grands-mères qui ont 90 ans ou 85 ans ou 87 ans. Vous la prenez, vous la faites passer, les gens crient sur elle, même si elle n'est pas présidente ou même s'il n'est pas président, c'est humiliant. Voilà, c'est humiliant, c'est embêtant, ça fait mal. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer parce que vous n'avez pas pris de bonnes décisions. Vous n'avez pas pris de bonnes décisions parce que vous n'êtes pas bien guidé et vous insistez sur l'erreur. Vous insistez sur la honte comme celui qui est en train, un courant là, qui est en train d'insulter ma mère. Mais pour l'instant, c'est Alpha Condé qu'on a fait trembler dans Conakry. Donc, il faut essayer de régler votre honte. Vous ne voulez pas qu'on vous parle de votre honte. Mais frère, vous avez honte. C'est humiliant. C'est faire honte. Malheureusement ou heureusement, c'est tant pis pour vous. La prochaine fois, réfléchissez correctement. Allez dans le bon sens. Arrêtez d'être tordu. Allez dans le bon sens. Mettez votre côté ethnique à côté. Arrêtez de mélanger les ethnies. Arrêtez de mélanger les ethnies parce qu'on vous paye de mélanger les gens. Ah, Watananaki. Pleurez, pleurez, pleurez. Allez voir le psy. Et puis, je ne sais pas, vous prenez des cachets pour dormir. Ça va vous aider. Ou alors faire des invocations. Priez Allah Soumana Tala qui vous pardonne toute la calomnie que vous avez créée sur les réseaux sociaux qui s'est répercutée sur le pays. Toute l'injustice que vous avez mise sur Elhadj Sello Dalein Diallo et sa communauté. Vous avez vu aujourd'hui que ça fait mal. Ça fait très mal. Quand quelqu'un te dit que j'ai mal à la dent ou au bras, tu vas te dire que la personne fait semblant. Le jour que tu auras mal à la dent ou au bras, tu te rappelleras de la personne que, oh, telle personne m'avait dit ça. Alpha Condé était très mal élevé, très irrespectueux. Très, très irrespectueux. Ces militants aussi sont très, très mal élevés. Vous voyez ici, ils insultent. Mais leur injure, leur mauvaise éducation, ils sont même partis poser ça sur l'UFDG. Tout leur comportement, ils ont tout transformé, transféré sur l'UFDG. Mais Allah a dit qu'il va montrer la vérité. La vérité est sortie. Ce qui les fait mal encore, le fait de soutenir Mamadi Doumbouya, ça leur fait mal. Le fait que Sello Dalein fasse tout ce qu'il fait aujourd'hui, ça les dérange. Parce que eux, ils ont dit que Dalein, c'est le pouvoir qui l'intéresse. Les peuls là, ils veulent seulement un peu. Ils veulent seulement un peu. S'il y a quelqu'un d'autre, ils ne vont pas le soutenir. Ça aussi, ça les fait mal. C'est ce qu'il faut faire. S'ils écrivent dans les commentaires qu'un Malinké est parti, un Malinké est venu, vous dites que c'est bien. C'est bien, un malin qui est parti, un malin qui est venu et humilier un animal. C'est une bonne chose. S'ils disent qu'ils n'ont pas honte, que c'est de la politique, de toutes les façons, c'est des gens qui n'ont pas honte. Ce n'est pas une nouveauté. Quelqu'un qui soutient le mensonge, qui se fait payer pour mentir, c'est quelqu'un qui n'a pas honte. Ce n'est pas un débat. C'est des gens qui passent tout leur temps à mentir. Ils ont été élevés dans le sens du mensonge. Sinon, il y a combien d'ethnies qui défendent le RPG, qui défendent Alpha Condé? Ils critiquent qui d'autre? Si ce n'est pas l'UFDG, ethniquement c'est le peuple, parti politique c'est l'UFDG. Pourquoi? Pourquoi ils font cela? Ils ont honte. Ils ont honte. Sello Dalein a fini Alpha Condé. C'est Sello Dalein qui a détruit Alpha Condé. À force de sous-estimer les gens, à force de faire croire que vous êtes des animaux politiques, vous n'avez pas eu Mamadi Doumbouya à venir, ils veulent faire croire que c'est le coup de Alpha. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le coup de Alpha. Mamadi Doumbouya, s'il veut demain, il n'a qu'à nous tuer. Ce n'est pas grave. Tous les présidents qui viennent là, ils tuent. On trouvera une autre solution. Mais Alpha là, c'est dehors, c'est fini, c'est réglé, c'est terminé. Ne vous fatiguez même pas. C'est fini. Merci beaucoup et à bientôt. Ne rebin la Guinée birafa bour. Où est-ce final? Où on a la Guinée n'engoume ma falafi? Allah aura yerbi. Où on a soutenu yo? Allah aura tant soutenu. Ne recouvrir la souma. Et nous ethnie biré bouré. Et nous bang bambé. Et nous bouler couteau mire kouma. Et nous yugé sa mire. Et nous era du maratema. Era tu mire datema. Alors toi Alpha Radu Maratama Warburu Dalema Dunia Abarama Sin Dunia Betu Mba Alaka Umasin Dunia Betu Wodo Mene Gede Guru Femi Rima Do Mana Kana Uma Ogbe Do Mana Kana Lama Uma Nets Alaka Dunia Tu Nere Do Kama Be Ene Rabo Ne Mada U Si Fera Ene Mere Te Concentre Ule Kui Alaka Ure Yerebi
J'ai vu hier les gens de Dixine danser dans la rue. Ça, c'est pas l'axe. Parce que c'est l'homme historique le plus détesté de toute la Guinée. Il a toujours été détesté parce que c'est un vaurien. Alpha, c'est Semara. Semara, c'est ça, Semara. Attends, Naki. Merci beaucoup et à bientôt. N'oubliez pas les doigts, la nuit, les prières de nuit. C'est très, 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 très important. C'est ce qui peut nous aider. Voilà. Le jour que Mamadi Doumbouya va déconner, lui aussi, on déménage chez lui aussi. C'est comme ça. Mais pour l'instant, on le soutient.